ces trucs bizarroïdes par moments. Incompréhensible, moi je vous dis. Eh ben, à la suite de l'aventure, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On continue le Final Fantasy de Fou Furieux. J'avais pris des notes. J'avais pris des notes là, j'espère, oui. Pour Final Fantasy, là. J'avais différents endroits où je pouvais chercher les cristaux de mes deux, là. Oh, je sais plus où est-ce qu'il fallait que j'aille. J'avais les monts Yasha en... Ah, pas en 110, en 100 assez qui me dit. Ah merde. Ah, c'est bizarre. Allez, on y va, tant pis. L'aventure, c'est l'aventure. Can't give up the investigation now. Oui, il y a un coup de laisse-faire, mais trouver le nouveau technicien. Il faut que je m'adresse directement à la sphère en question pour. Attendez. Les illuminations ne sont pas branchées correctement. Quelqu'un doit avertir le technicien actuel ou cela pourrait causer un terrible accident. Les illuminations. Le technicien, ok, génial, on voit sa photo. Un homme du nom d'Abraham se fait happer par un paradoxe. Tout ce qui reste de lui sont ses souvenirs, ses vrais extasies dans une sphère rouge. Ce technicien s'occupait de l'entraînement des projecteurs, mais il a été aspiré avant de pouvoir transmettre son savoir à son successeur. Faites en sorte qu'il puisse reposer en paix en veillant à ce que le nouveau technicien chargé des projecteurs, dispose des manuels nécessaires. Le nouveau technicien. Oh là là, faut trouver le technicien maintenant. I admire your sense of adventure, but steer clear of monsters. Carte, elle dit quoi?
tellement étrange. We could get this done a lot quicker if we had more people. It looks like the space-time surrounding the orbs is distorted. Problème, c'est où est le technicien, quoi. C'est ça que je pige pas. Ce jeu est trop étrange. Interesting weapon you have there. Ouais, oui, pareil, paradoxe, mais je peux rien faire. Oh, y a pas de technicien là-dedans. Où est-ce que je le trouve, dit technicien de mes deux? Oh. Là, il n'y a plus personne. Il faudrait que je fasse le lien avec une autre époque. Bizarre. Si j'essaie de me barrer dans... de Sunset. Ouais, puis j'ai pas noté ceux que j'ai trouvé les trucs, c'est pas malin de ma part. Alors, par exemple la côte de Sunlet, il me la faut en 400, pas 300. Quel bordel! Au RBA 200, il me dit que j'ai 4 fragments sur 5. Il est où le fragment qui me manque ici? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre autant qu'étrange. Bon, sur ma tête, vous voyez un huit qui déconne. J'arrive plus à capturer la fenêtre principale, donc j'ai mis des quasiseurs. Ça fait un habillage à la con hein, avec des barres verticales au-dessus de ma tête. Ça me bouffe. Je sais pas comment je vais parer cette erreur qui est chiante. Enfin bon. Là, il me dit quoi?
Il me manque un fragment ici. C'est fou. C'est fou. Ah. Comment je le trouve, le fragment manquant? Ah, terrain exploré, laisse-moi dîner. La mer, je peux pas y aller telle qu'elle, mais il faut que j'aille en chocobo. Comment ça, j'ai zéro légumes J'en avais acheté plein. Il se paye de ma tête. Bah. Oh, qu'est-ce que c'est? J'en avais acheté des tonnes. Attends, elle est où la miss qui vend Welcome one and all to Casa de Chocolina, the only store within Goddess knows how many years. Oh, ce jeu. Non, c'est pas un accessoire, je me plante. Bah merde alors. Bah. Comment ça se fait que j'ai plus de vendeuse de... Je comprends plus rien. Non mais vraiment là, je comprends plus rien. Je croyais que j'en avais acheté un paquet monumental de légumes pour les chocobos. Elle est pas buggée la sauvegarde. Des trucs, j'y comprends plus rien. Je comprends pas pourquoi j'ai plus de légumes pour les chocobos. Je... Ça qui me rend fou.
Ah! C'est un fragment, merci. Alors là, ça voudrait dire que j'ai nettoyé la zone proprement. Voilà, fragment 5 sur 5. Merci. Là, mon Yasha, c'est bizarre. Il y a plein de fragments que j'ai pas trouvé. Allez, on est fou. On voyage, hein. C'est... Me pose même plus de questions. Mais ce qui me bouffe, c'est le fait que j'ai plus les fruits de des chocobos. Non, j'en avais acheté des dizaines et là il me dit que j'ai plus rien, donc je pige pas. Franchement, je pige plus le jeu. Il y a un bug dans ma sauvegarde. J'ai fait une manip inconsidérée sans le savoir précédemment. C'est frustrant. Dérangeant et frustrant. Alors, récupérer la montre perdue, trouver la batterie d'époque. Ouais. Oh le bordel. Bonjour, Nashevman. En espérant que tu ailles bien ce dimanche matin. Sachant que pour ma part, le Final Fantasy me déboussole déjà. Dès les premières minutes. Bon, au moins j'ai trouvé un fragment là. Donc c'est déjà une bonne chose. Oui, ça va dans l'ensemble. Merci, Nash. C'est bien que t'ailles très bien. C'est cool. The more dangerous a place is, the closer we may be to the center of the paradox. Alors attends, la carte va me... Récupérer le monde perdu, trouver la batterie d'époque. Et pourquoi j'ai que des sens interdits ici? C'est ça qui me bouffe. Tiens, j'ai une miss... J'ai une mise vendeuse. Alors, elle vend quoi, elle? J'y comprends plus rien. Pourtant, j'ai souvenir qu'il y avait une vendeuse qui, à tour de bras, proposait des légumes pour les chocobos. Non, j'en avais plein l'inventaire et là, j'ai plus rien. Mais vraiment, je comprends plus, là. Attends, mon inventaire... Cristaux de monstres, matériaux... Les accessoires... Les armes. Non, je comprends pas, vraiment. Alors, dans les quêtes bizarres. Mais te mange pas des murs invisibles, ma grande. Alors, elle, c'était quoi?
there would at least be some hope of finding that thing. It was a custom-made watch, made especially for an outdoorsy girl like me. La montre. Alors, Shannon, un soldat affecté à la protection des équipes scientifiques, a laissé tomber sa montre en haut d'une falaise. Elle a essayé de la retrouver, mais l'obscurité répandue par l'éclipse a forcé à abandonner ses recherches. Lorsque l'éclipse sera terminée, retrouver la montre de Spore et ramener-la à ses propriétaires. Mais justement, j'ai une dimension où il n'y a plus l'éclipse. Donc, faut que je retourne. Enfin, moi, je veux bien essayer, mais... Ah merde, pardon, attendez. Les monts Yatcha, les monts Yatcha. Il y en a qui ont plein de trucs à dire. Les monts Yatcha, mais quand c'est éclairé? Les monts Yatcha, mais quand c'est éclairé. Mais Andouille, fais pas demi-tour. Oh là 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 là. Bonjour Olive. Bon, ça va dans l'ensemble, merci, j'espère que toi aussi. Alors normalement, je devrais continuer de l'Arc Fatalis tout à l'heure, Olive. Arc Fatalis, en plus de regarder du patatage, parce que je devrais mettre une raclée à la secte, là, pour toucher le météore, dans la fiction. Je devrais en faire en début et en fin d'après-midi, du Arc Fatalis. Sachant qu'au milieu, il y aura la promenade commentée avec Nayone. Mon Yatcha. Donc là, voilà, là c'est éclairé, donc je vais retrouver la montre de mes deux. T'es un peu chamboulé? Ouais. Ah, pourvu qu'il n'y ait rien de grave. Ouais, Arx Fatalis. Alors, j'y ai joué hors antenne et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Parce qu'il y a, peut-être une bévue que j'avais commise en direct avec vous. Enfin, j'y reviendrai le moment venu. Ce sera beaucoup plus explicite si j'ai l'image à l'écran du jeu, de facto. J'ai possiblement rectifié une erreur que j'avais commise. Alors attends, lui c'est le technicien, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça c'est le technicien. Alors, moi, ce qu'il faut que j'aille chercher, c'est la montre. Attends, je vais pas au bon endroit, moi. Ah, si, je vais au bon endroit. Il faut que je retrouve la montre dans le... dans le canyon, maintenant que c'est éclairé. Il y a la montre qui est quelque part. Alors, elle, est-ce qu'elle vend des fruits de chocobo? Accessoire catalyseur. Ah, elle vend des légumes. Merci. Ah, punaise. Allez, j'en prends 16. Merci. Ah, elle me tue. Your business is appreciated. Olive, tu dis... J'ai reçu des résultats de tests psy et ils m'ont confirmé des troubles du spectre autiste me concernant. Ça fait tout drôle. Ah ouais. Ah ouais. Bah, l'essentiel, c'est que tu sois bien encadré. Mais c'est... Enfin, c'est bizarre le nombre de personnes à qui on détecte depuis la pandémie des troubles psychiques... Pardon, hein, je fais la synthèse de mes contacts et des... c'est bizarre. L'humanité devient vraiment malade au niveau de l'esprit, là, c'est pas bon. Excusez-moi d'être brut dans mon analyse, mais...
Enfin bon. Oh. Est-ce que j'essaie de prendre un chocobo? Voilà. Je vais essayer de monter dans la zone que j'arrivais pas à atteindre. Comment ça, je bouille? Ah, ça bouffe dans le temps du... Oh là là! Ah non, mais c'est une escroquerie, les légumes. Voilà pourquoi je les ai tous perdus. Attends. Non, je suis pas du tout là où je voulais aller être. Pas monter avec. Ah, merci. Et là, je vais descendre. L1. Allez-y. Ah, c'est scientifique. Alors, cet homme veut savoir qui a signalé le problème des producteurs. Tu dois attendre. Alors, que lui répond qui a signalé le problème des projecteurs? Le manuel, Mog, Noël ou quelqu'un décédé ici il y a longtemps? Bah, il a conscience des paradoxes, non? Donc, je veux dire quelqu'un qui était décédé ici il y a longtemps. Ah non, il n'est pas conscient des paradoxes. Bah, on va dire le manuel. Excuse-moi, je te lis après, Olive. C'est pourtant exactement ma configuration tuelle, un seul projecteur effectué peut entraîner l'extinction de tous les autres. Oui, bah comme un effet domino dans une guirlande de Noël. Je vais devoir faire quelques modifs. Si j'avais continué comme ça, j'aurais provoqué un terrible accident. Je crois que je vous dois une pierre chandelle. Une grande partie de ce manuel est purement technique. Vous avez déduit ça vous-même ou alors vous êtes quelqu'un vous l'a expliqué? C'est le cas, remercier cette personne de ma part. L'attestation du technicien. Et ben voilà. Du coup, il va me dire que j'ai tout exploré. C'est ça, 100%. Attends, c'est qui que je vois là? C'est... Ah non, c'est une fleur. Ah non, c'est la faille dans le décor. J'ai cru que c'était une personne avec un chapeau de cow-boy. Mon cerveau disjoncte. Alors, pardon, je te dis, Olive. C'est des cycles de mieux en mieux et l'autisme n'est pas une maladie. C'est une neuroatypie qui peut générer des troubles, certes, mais juste une neurodivergence. D'accord. Ok. Bah, si, ouais, s'il trouve le moyen de... Est-ce que ça aille mieux, évidemment, tant mieux. Mais... C'est ce que je faisais comme remarque chez FunFan hier dans le commentaire. Comme il fait un jeu sur l'asile de fous, là, Sanitarium, moi je parle de l'hôpital Sainte-Anne, qui est en fait l'asile de fous parisien, en fait, par réputation. Mais en fait, c'est plus que ça.
Et c'est un super centre de recherche au niveau de tout ce qui est, on va dire, soin de l'âme, en plus du soin du corps. Et c'est vachement intéressant. Il y a des recherches, la science augmente, progresse, c'est un truc vertigineux quelque part. C'est bien, on a la chance d'avoir ça. Pourquoi j'ai un point blanc là? Ah, un point blanc ou verdâtre. Ça correspond à rien. J'ai un nouveau technicien. Et normalement, là, je devrais avoir la... À un moment, je devrais avoir la montre, mais... J'arrive pas à me diriger. Ah, j'arrive pas à me diriger. C'est trop dur. Voilà. Ah, il y a quelqu'un. Ah, ça me bouffe. Le loustic qui est en bas, là, il dit quoi? Ah bah c'est celle qui cherche sa montre, non? Quoi? Oui. Non, je pensais pouvoir monter sur le truc, mais non. Aïe. Oui, c'est bien, Olive. Ta 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 ti ta ti ti tu. Ah, donc les points verts correspondent aux humains, aux individus, d'accord. Désolé, je me barre. Et du coup, ouais, pardon, mademoiselle, je suis passé en trompe derrière elle. Et du coup, la sphère là, c'est qui que quoi? Je constate que mon message a été transmis. Je peux reposer en paix désormais. Le technicien actuel a l'air d'être plutôt entêté, mais il est très compétent. Je n'ai rien d'autre à faire ici, si ce n'est vous souhaiter bonne chance. Enfin, souhaiter bonne chance à mon successeur. Merci de votre aide. Voilà, j'ai obtenu un fragment. Ok, donc j'ai résolu un pépin. C'est cool. Tout doucement, on progresse. I think it's
assume that the red orbs are part of the paradox. Oui, 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 elles font partie de l'effet paradoxe. Ouais. Tu m'étonnes. Ibi. Oh là. Par contre, le coup de la montre. Et si je retourne dans le... Allez, merde, pardon. À une autre époque. Donc mon Yatcha. Hop, je reviens au même endroit, mais presque un siècle plus tôt. Allélélélé. La batterie d'époque. Oh, puis il y a le coup des sens interdits qui me bouffe. Récupérer la montre perdue et la batterie d'époque. Mais je pense que c'est le bon endroit, mais pas la bonne époque. Voilà, donc il faut que je retourne dans le... C'est... Il faut que je retrouve la montre et la... Quand c'est éclairé, un siècle plus tard. Alors, une montre à retrouver et une batterie d'époque. Encore que la batterie d'époque, ça va être dur, puisque je vais dans le futur, là. Je passe de l'an 10 à l'an 110, un siècle plus tard. Donc la batterie d'époque, non, c'est pas dans le futur que je la trouve. J'en disais, entre guillemets, ce serait dans le passé, normalement. Oh, c'est bizarre. J'aime bien l'idée de la mécanique de jeu. Je vous l'avais dit, hein, moi je me laisse charmer par l'histoire des voyages spatio-temporels. Où justement ça ouvre des possibilités de fou. Mais après, pour s'y retrouver dans le sac de nœuds, c'est dur. C'est dur, dur, dur. Mais bon, poétiquement, faut se dire que c'est comme la vie. C'est l'esprit qui voyage. On rencontre du monde, on découvre des lieux. Oserais-je dire qu'il faut se laisser mener par le bout du nez. Maybe we could use bots to handle the workload. La sphère là, elle reste inerte, on est d'accord? Ah non, elle est pas inerte. Je peux lui parler. Alors, je m'appelle Arnaud. J'étais un agent de sécurité qui enquêtait sur la disparition d'une équipe de chercheurs. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils ont été emportés par le paradoxe, mais personnellement, j'ai la conviction qu'ils ont été éliminés par quelqu'un. L'académie fait régulièrement l'objet de menaces de la part d'organisations terroristes. Si mes soupçons sont fondés, les terroristes ont sûrement laissé quelque chose pour signer leurs actes. Enfin, leur acte. J'aimerais que vous vérifiez ça pour moi. Comme vous pouvez le constater, j'étais victime d'un paradoxe. Accepter la mission. Oui, bah oui. Trouver une preuve du terrorisme. La vache. On va chercher une preuve du terrorisme. C'est dur.
C'est violent ce jeu, une violence psychologique terrible. Ah moi il y a... Oh là 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 là. Calme-toi Chocobo, calme-toi. Oui, j'ai exploré à 100%. Bon, ça déjà, ça me rassure un peu. Donc, il y a le technicien que j'ai vu. Là, il y a l'amnésique qui est au fond du trou, si je puis dire. Une preuve du terrorisme. Et la photo montrait la plaine là. C'est bizarre quand même. Pardon. Moi, je veux bien y retourner pour essayer d'aller voir, mais... C'est assez délirant. Oui, pardon, merci, Nash. Enfin, c'était pas vraiment un éternuement, c'était plus un rototo assez violent. Enfin, bon, bref. Même moi, je cherche même plus à comprendre ce qui se déroule dans mon organisme. donc la carte dit que ce serait par là-bas. Bah oui, sinon je descends là où il y a l'amnésique. Oh, les mystères de Warner Van Dezy. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi? Oh mon dieu. Patata, Jean Weg. Ah bah bien. C'est efficace. Merci, j'ai gagné une remède en plus. Ça fait zizir. Alors attends. Je dis pas que le technicien a encore des choses à me dire. Ah non, je peux y aller qu'en chocobo. Hein. Oh la vache. Je ne peux y aller qu'un chocobo. D'ailleurs, quand je gagne une bataille comme celle-ci, là, une victoire... Attends, il faut que je regarde si je gagne de la monnaie de jeu, là, qui sont les gears. Que je me dise... que je cumule pour acheter des... Oui, si j'en gagne, 228. Ouais, c'est l'avant-dernière ligne, là, avant le total des 20 derniers scores, d'accord. Ok, ouais, c'est bien, je cumule ouais, de la thune. Parce que ça coûte cher, la bouffe à chocobo. Ouais, oh. Voilà, ça désignait ça. C'est ça la trace du terrorisme. C'est le détritus là de comment ça s'appelle, d'éoliennes pétées. Alors que je suis pris dans le décor et que ça me fait suer. Bug de collision. C'est bon, on a réussi. Là, j'en gagne 428. Ouais, non, ça va. Le jeu est équilibré au niveau des récompenses, des butins, c'est bien. Voilà, ça, c'est une preuve de terrorisme. C'est un truc qui a été saboté. Je sais comment pour interagir avec le truc et dire « Ah, oh, c'est dégueulasse, ils ont cassé ça. » Non, je vais pas aller dans le... Là, elle saute dans le trou. Ah, dans la crevasse. Aïe. Oh, 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 c'est quoi ce truc? Bah, c'est un paradoxe. What the hell? C'est quoi cet enfer? Eh, hey, il est costaud, lui, c'est un boss. Oh, oh. Ce combat n'est pas comme les autres. C'est très très vilain. C'est le terroriste. Bonjour Christella.
Ah non, ça va, j'arrive à l'entamer. Mais bizarre la manifestation de l'ennemi là. Il m'empêche de récolter des preuves. Oh merde! Oh la vache, elle s'est fait buter ça! Ah, je m'y attendais pas, dis donc. Le petit cri fatal. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Dragonsky. Bonjour Dragonsky. Eh ben j'ai eu chaud, dis donc. Sarah qui s'est fait... Enfin, Sarah, pardon. Qui s'est fait biffer, mais alors... Oui, donc là, j'ai gagné. Attends, je comprends pas. Oula, on voit le truc là-bas au loin qui est noir. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Encore un paradoxe, c'est quoi? Oh non, là c'est trop lolol. Oh, comment qu'elle a été stoppée dans son saut? C'est du délire. Ah oui, t'as merdé ta pêche, Olive. Je suis en train de remonter le chat. Donc, j'ai la preuve du terrorisme de quoi, là, je comprends plus. La carte me dit rien. Je peux pas interagir avec... Trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, puis il y a le coup de la montre perdue aussi. Où serait tombée la foutue montre? Mmh.
Eh bien, ça a été vite expédié. Oh, en bleu, la ligne bleue du haut veut dire que j'ai un nouveau Pokémon dans ma collection. Ici, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Ouais, non, il n'y avait que Puik là. Ibi! Si je vais par là-bas. Ah non, là j'ai rien. J'ai rien de rien. Et là visiblement il y aurait. Ah oui, non, c'est l'ancienne sphère. Alors attends, je suis en train de repartir. Non, ça va. Ça, je me pose des questions. Alors, attends, je vais aller voir la dite sphère avec le coup de la preuve de terrorisme parce que le gros piaf que j'ai pataté là, qui a claqué Serra au niveau de l'éolienne pété, je pense. J'ai espoir que ça corresponde à ça, on va aller vérifier. This day, I haven't missed a second of training.
Alors, avez-vous trouvé cet emblème ici? Il s'agit du symbole du sanctum peint avec du sang. C'est la signature d'extrémistes du temps des Falci. Ils cherchaient sûrement à anéantir l'académie. L'équipe qui a disparu faisait des recherches sur la distorsion qui y est apparue ici autrefois. La voyante avait utilisé ses pouvoirs pour la sceller, mais personne ne sait ce qui s'est passé. J'espère que jamais quelque chose de semblable ne se reproduira. Ah, j'ai réussi. Une distorsion s'est produite. Oui, bah oui. Donc du coup, au niveau de la carte, une distorsion s'est produite. Oh merde, il faut que je retourne à l'opposé du truc. Bah, au moins ça bouge. Il se passe des choses, allez on y retourne. Wouhou! L'aventure, chez l'aventure. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Petite course à pied là pour Miss Serra. Chez Bao. Allez, une petite baston. Voilà, GG vendu. Alors attends, est-ce que je me dirige vers le bon endroit, moi, au moins? Oui, si, c'est très bien ce que je fais. Il se passe des choses. Oula oui, oulala. Un dégagement d'énergie, effectivement, au niveau du paradoxe, là. On l'a vu brièvement. Après cette bataille, on va se ruer dessus et voir ce qu'il en est. Oh le bordel. Alors, Kizako. Ah, ça faisait longtemps. Ah, les énigmes. Ah, c'est le truc que tu m'avais passé il y a 1 milliard d'années pour moi. Hein. C'est-à-dire que c'est il y a très longtemps que j'ai tout oublié. Mon cher Dragon Sky, c'était l'énigme de l'horloge. Mais je vais essayer de me la coltiner brute, sans indice. Alors, pour résoudre cette énigme, vous devez effacer tous les chiffres présents sur l'horloge. Approchez-vous du chiffre de votre choix et appuyez sur la croix pour le faire disparaître.
Les deux aiguilles reviendront sur cette position, puis avanceront dans des directions opposées. Elles s'arrêteront après avoir parcouru un nombre de cases égal au chiffre que vous venez d'effacer. Vous pourrez ensuite éliminer l'un des chiffres pointés par les aiguilles, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient tous disparu. Note. Les chiffres que vous pouvez effacer sont entourés d'un cercle lumineux. Attention. Si les deux aiguilles s'arrêtent sur des cases vides, vous serez forcé de recommencer. Essayez d'anticiper leur mouvement. Une fois tous les chiffres effacés, vous pourrez rejoindre le portail de sortie. Ok. Oh la vache, je suis pris par le temps. Donc si je fais ça... Ah merde, ça c'est réessayé. Même joueur, j'ai eu un cœur. Déplacer les aiguilles. Bah oui. Et si elle, je fais deux, ça fait quoi? Oui, là, il y a un truc. Ouais, voilà. Ok. Resolve l'anomalie. Là je peux faire saut de 1. Là si je fais un saut de 1, je vais éliminer le truc aussi. Là je fais un saut de 2. Là je peux refaire un saut de 1. Là je refais un saut de 1 et c'est bon. Hop, c'est bon. D'accord. Donc pour le moment, ça va. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'anticiper le coup suivant, mais... Attends, c'est quoi ça? C'est 4? Tac, tac, tac. Ok. Là, j'ai des grands sauts si je fais 3. Vaut mieux jouer les grosses valeurs au début, je crois. 1, 2, 3, non c'est pas bon, autant faire 4. Voilà, là j'ai 3 ou 2. Si je fais 2, je peux avoir quelque chose. Si je fais 3, j'ai quelque chose aussi. Alors vas-y voir que je fasse 2. Ah non, merde, j'ai mal compté. C'est ma faute, j'ai mal compté. Alors attendez. Ah oui, ça change à chaque fois. Merde, je pensais répéter le même schéma. Je l'ai dans le cul, Lulu. Là, je peux faire 2. 1, 2, ça, je... Bah, 3 ou 3. Tu m'étonnes. Enfin, ouais, c'est vrai que la position de départ est importante. Faut pas que je néglige la position de départ non plus. Là, je peux faire 2, normalement. Je suis condamné à faire le 1. Donc là, j'ai le 3. Et du coup, je fais 2, puis le 1. Ok. Tac. Et tac. Et là, j'ai gagné. C'est pas évident. Hein. Cinq. Putain, mais ils sont marrés, eux. Je fais 5 dans le truc temporel. Là, j'ai 4. 4 m'a l'air pas mal. Si je te fais du 4, là j'ai du 2, là j'ai du 3. Si je fais du 3 à partir d'ici, si j'ai un truc intéressant. Soit j'ai un 2, soit j'ai un 4. Si à partir de là je fais 4, oui j'ai le 2 qui va se déverrouiller. À partir du 2, je vais avoir 3 ou 2. Si je fais 2, je l'ai dans le cul, Lulu. Si je fais 3, par contre j'ai quelque chose. Là j'ai du 5 et là j'ai du 1. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors attends, je peux. Voilà, faire le 1 qui me permet d'aller au 3. Une fois que j'ai le 3, il me reste le 2 et je l'ai dans le cul. Eh merde, pardon.
Merde, c'est pas une bonne combinaison. Je l'ai dans le cou, loulou. Je l'ai dans le cou, loulou. Allez, au pifomètre. J'ai même plus envie de réfléchir. C'est mûche. Ou presque pas. Alors attends, c'est vrai que j'aime bien les valeurs élevées dès le début. Bon, là, je suis un peu déjà entubé. Et totalement. Viens lâche. Deux ou deux. Là, je te fais le 5. On va faire le mouvement 4. Oui, de toute façon, je peux rien faire d'autre, donc il n'y a pas à réfléchir. 3. Et je l'ai dans le cul, Lulu. Putain, il est dur celui-là. Et j'ai le droit de choisir dès le début, dire par exemple, je veux 5. Oui, parce que le début, voilà, j'ai le choix du bordel. Ok. 3. 1, 1, 2. Là, je vais faire le 4. Merde. Là, j'ai le 1. Qui va me permettre de faire le 3. En espérant qu'elle parte. Voilà, j'avais peur qu'elle parte du mauvais endroit. Là, je peux faire 2 parce qu'il y a le 1. Par contre, le 1 pue. Complètement. Merde. De là où je suis, 4. 4, donc là je fais un 1. Je vais me débarrasser du 5. Faut que je me débarrasse du 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je finis sur le 2 là-bas. Et là je l'ai dans le cul, Lulu. Merde, il n'y a rien sur les côtés. Je me débarrasse du 5. Ouais, je sais, tu m'as donné l'anti-sèche dans le Discord. Je sais, merci. Mais j'ai vraiment envie de me démerder tout seul. Si je suis vraiment frustré d'ici un quart d'heure, ouais. Mais j'ai la prétention de me dire je peux me le coltiner. Mais ouais, ouais, c'est une sacrée épreuve. C'est pas con, hein. J'apprécie l'originalité de la mécanique de jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Là, de 4, il va partir sur le 1. Le 1, je suis couillonné ici, mais je suis pas couillonné là. Là, 2. Bah, 2, c'est celui-là. Soit j'ai le 2 là, et j'ai le 1 là, et là, je suis couillonné, et là, je suis couillonné. Merde. Dans tous les cas, je suis couillonné. Vache! Cochonnerie. On m'a condamné à faire le 3. Putain, je suis fou. Tant que j'ai la possibilité, je me lance dans le truc. Là j'ai le 4. 4, je vais avoir le 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis couillonné. Ah non, ça marche pas mon truc. Je suis couillonné. Je vais forcément en avoir un bon sur le côté. Donc là c'est le 2.
Si je me coltine le 4, comment ce sera fait? Alors, 3 d'un côté, 2 de l'autre. 2 pour faire 4, oui, c'est intéressant. À partir de là, je vais tomber sur le 2. Ou le 3. Alors, je peux faire 1, 2, 3. Et le 2, je ne peux faire que le 3 sur le côté. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, je suis couillonné. Il faut que je fasse celui-là. Là, si je fais 1, 2, 3, je suis couillonné. 1, 2, 3, je suis couillonné. Donc, le 2, je peux faire le 3 là. Et merde, il y a un 3 qui va m'enquiquiner. Chiotte. Pas loin. J'attends pas loin. Ouais, là je peux faire 5. Autant se débarrasser du 5 qui est chiant. 1, 2, 3, 4. Le 4 il est chiant aussi. 1, 2, 3. Mais le 1 va être 15 bonbons. Le 1 là j'en ai plus. Le 2 là j'en ai. Alors 2, je fais le 4. Alors attends, 2 puis 4. Puis 2. Sauf que non, là je suis foutu. Bah oui, le 1, il n'y a plus personne. Le 1, je le voyais mal. Oh, je me débarrasse du 1 d'entrée de jeu. Merde, j'ai demandé à recommencer tout de suite. Oh le con. Allez, je me débarrasse du 1. Comique. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais aller sur le 3 là-bas. Du 3, je vais aller là. Alors, 1, 2, 3. Ouais, il faut que j'aille là-bas. 2, 1, 2. Je suis couillonné. Ouais! Ah bah non, j'avais le 2 là-bas. Oui, non, j'étais couillonné aussi. Quoi qu'il en soit, je l'avais dans le 1. 1-1-1-1-1. Bon bah 3 ou 3. 3 là, ça me fait quoi? Ça me fait 2. 2, je me débarrasse du 3. On est soit sur le 3 ou sur le 4. Si je fais 1, 2, 3, 4, je retombe sur le 5. Qui me permettrait de retomber sur 1, 2, 3, 4, 5, sur le 2, mais le 2, après, je serai couillonné. Je suis couillonné. Ouais! Observez par vous-même. Mais vraiment malin comme mécanisme de jeu. Là, je peux plus faire 2. Je me suis fait avoir. Ah, j'aime bien. Dur, mais j'aime bien. La logique. Oh la vache, il y en a des 5 ici. 5, 5, 1, 2, 1. Bon, là, je te fais 1, 2. Je fais 1. Puis là, je vais faire 5. Tac, tac, tac. Retomber sur 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Ouais, pour refaire le 4 et retomber sur le 5. Voilà, là je retombe sur le 5. Et là je crois que je suis foutu. Voilà, je suis foutu. Magnifique, merveilleux. Ah, j'adore, j'en redemande. Même joueur joue encore. Là, de 2. Alors, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, plutôt que le 2. Parce que le 5 est chiant à se débarrasser. Alors, 1, 2, 3, 4. Je suis couillonné. Donc, ça va être le 2, forcément. Après, il reste à savoir quel 2 je vais prendre. 1, 2, 1, 2. Bah, ça va être le 3. Forcément. Et le 3 va m'amener dans le baba. Ouais.
résolver l'anomalie chez la vie. Alors, 1, 2, 3. Ou 2, 2. 1, 2, 3. Ouais. N'importe quoi. Je suis un gros nigo. Oui. Oh, allez, commence par le 5 de la moelle T. Alors, 3 ou 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, là j'aurai le 4. Si je peux me débarrasser du 4, c'est bien. Ce qui me permet de me débarrasser du 5. Voilà. Alors, 2, je me débarrasse du 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je suis couillonné. Donc il faut que je fasse le 3. Même pas. C'est magique. C'est la magie du démon. Je me débarrasserai bien du 5. Hop, allez, on se débarrasse des 5. Et de 3. Donc là, il me reste le 1, 2, 3. Ou pas. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Pardon pour l'anti-sèche, hein, mais je veux me la faire moi en solo. Je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. 2, 2, 2. Pour ensuite faire le 5. Pour refaire du 5. Là, c'est risqué, mon truc. 2. Donc là, il me reste le 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis foutu. Je suis foutu, poilu. Lila, 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 du. Je suis foutu, poilu. Moi, alors là, je l'ai dans le U. Allez, je me débarrasse des 1. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, faut que je me débarrasse de celui-là. Alors, 2, je vais aller sur le 4. Sur le 4, je vais l'avoir dans le baba. Non, il y a le 5. Mais j'y crois pas. Si, encore 5. Ah, pour avoir le 2. Mais du 2, j'irai nulle part. Pa, 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 pa. Presque. Donc je vais me débarrasser d'un 4 là. Ouais, je vais me débarrasser d'un 4. 1, 2, 3, 4 qui va me permettre de me débarrasser du 5. Ensuite, 2, 2, 2, 2. Je suis foutu, c'est merveilleux. Ouais. Oh là là, génial. Alors, 3 couillonnés, 3, là j'ai 2, je peux repartir sur le 5 qui va me plaire. Voilà. Donc, condamné à refaire le 5. Alors là, j'aurai le 2. Là, j'ai le 1 qui me permet de faire de facto le 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je suis foutu. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Hein. Si je fais des opposés... Ah, il y a une logique. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si là, je fais 5. 1, 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je peux le faire. Je la sens bien sur le 5. 1, bah oui, après 2, je suis foutu.
Ah oui, je suis foutu. Merde. Je fais des raisonnements. Soyez-en certains. Pas dit que je fasse les bons, mais je fais des raisonnements. Si je me débarrasse de lui. Que j'ai que je veux le 4. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. On m'aurait débarrassé du 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je me débarrasse du 2 qui me permet de faire un saut de puce de 2 en 2. Donc là, j'arrive sur le 3 et j'ai que lui. 1, 2, 3, j'ai le 4. Et là, je suis entubé. Merde. C'était pas mal. Mmh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire le 1 à l'opposé. Qui me permet de refaire 1, 2, 3, 4, 5 ici. 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc je vais sur le 3 là. Et je l'ai dans le baba. Merde. Ah, c'est bien. Pardon, hein, j'espère que vous, ça vous inquiétine pas, mais... C'est d'une logique implacable. Là, je vais faire sauter le 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, je vais refaire un saut de puce. Le 2. Pour avoir le 4. Et d'avoir dans le baba, je crois. Non, j'ai le 2. Alors, j'aurai le choix entre le 1 qui est mortel ou le 4. Je vais forcément prendre le 4. Mais je vais me retrouver bloqué. Alors, le 1, je peux pas. Mais le 3, je peux. Parce que je vais pouvoir re-choisir le 1. Et là, j'ai bon. Voilà! Et le mec qui se la pète, c'était simple. Oh là là. Mais merci Dragon Sky, c'est vrai que tu t'étais cassé le cul à me trouver une anti-sèche. Merci, c'est très gentil. Mais tu vois, l'envie, tu sais, de relever le défi de... Ah, on est entré dans une boîte de paradoxe. Merci pour les GG. C'était le même paradoxe, la même menace séculaire que celui envoyé par Yol dans la ligne du temps il y a tant d'années. La prophétesse a altéré la ligne du temps pour sauver une cité entière. Qu'a-t-elle pu penser au moment de le faire? Le futur, qu'est-ce qu'elle avait connaissance des conséquences de son... Ouais, est-ce qu'elle avait connaissance des conséquences de son acte? Alors, fragment obtenu, livre d'Avalon. Ok. Donc là, pour avoir une énigme assez retors, je viens d'obtenir quelque chose d'important. Je viens d'obtenir quelque chose d'important. Bon, on va voir sortir dans un portail et on va se barrer. On va se barrer. Oh yeah, oh yeah. On va les patater. Oh, un giga chocobo. Alors lui, par contre, il risque de me faire des misères. Attention. Oh, il va se faire des chocos soins. Moi, j'espère que je vais lui choco voler dans les plumes. Ah ouais, non, il est costaud, le chocobo de mes deux, là. Et c'est reparti pour un tour. Non, il n'a pas le temps de faire ses chocos soins, donc je lui ai volé dans les plumes. Tu as su persévérer, bravo à toi. Oui, merci Olive.
Oui, non, puis vraiment, là, j'avais du plaisir. J'avais du plaisir à déjouer l'énigme. Franchement, la mécanique de jeu, là, j'aimais bien. C'était vraiment bien foutu. Oh, bien, t'as un carassin commun. Alors, le chocobo vert a des buffs positives. Nous dit Dragon Sky. Merci pour l'info. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ah, si, elles me sont familières. Non, attends, je vais changer de stratégie. Ah, c'est bon. On a gagné! C'est le remède. Attends, je suis en train de me fourvoyer là. Je vais où? Oula, je sais plus. Attendez. Oui, non, faut que j'aille par là-bas, moi, non? Ah non, faut que j'aille par là, moi. Ah oui, non, je cherchais à aller dans le ravin, moi. Oula! Mon sens de l'orientation est à revoir. Bon, lui, il me les brise, l'ennemi. Si je peux même plus le choper. Donc attends, on est d'accord, je n'ai plus de... Oui, j'ai plus de quêtes ici. Normalement, j'ai résolu toutes les quêtes. Enfin, du moins, j'ai des fragments, mais... Attends, elle dit quoi, elle? Oui, c'est le cas. Mais j'ai pas le... Comment on appelle ça? J'ai pas le... Oh, carte de 4 kilos. Sympa, Nash. J'ai pas la montre et j'ai pas le... Je sais plus quoi, là, de la bonne époque. Donc, j'ai 4 de 6. Les Mouyacha. Et du coup, si je retourne là, il se passe quoi? Est-ce que j'ai déverrouillé un truc dans le même endroit, mais dans le passé? Oh, aïe, ça fait la fantaisie. Ah oui, alors, tu dis le chocopo vert, il a célérité, bouclier, foi, etc. D'accord, ok. Non, les pires, c'est les chocobos sanguines, là, les oranges rouges. Ils sont ultra balèzes. Je crois que j'en ai encore aucun. J'en ai maté aucun. Pardon. Alors, récupérer la montre perdue, trouver la batterie d'époque. Oui, bah non, ça va pas. J'ai encore des impasses, donc ça va pas mon truc. Non, je peux y retourner. Ça va pas du tout. Coucou. Une poissonnerie. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah tiens, on a le beau smiley du poisson. En gros. Bonjour, Twinsen. Attends. Ah oui, attendez, il y a les monts Yatcha aussi dans la dimension... Attendez, j'ai pas fait le mont Yatcha de cette variante aussi. Je peux m'y rendre également. Oh là là, ça fait 3 monts Yatcha. Ah ah! Ouïouïouï. Là-bas aussi, il y a des fragments à récupérer. Oh le merdier!
Chargement en cours. Alors, que dit la carte? Trouver les trois étoiles filantes et éliminer le Siet errant. Ah, j'ai un boss à patater en plus. J'ai un boss à patater. Et reste à moi d'aller le trouver. Éliminer le Siet errant. Oh la vache. Il y a les étoiles filantes et le Siet errant. Bon, bah une chose est certaine, c'est qu'il y a des choses à faire ici. Chibidi bidi bidi bidi, chibidi bidi, ouh yeah. D'ailleurs, il me dit que la carte, je l'ai explorée à 100%. D'accord. Ok. Donc déjà, c'est un souci en moins. Il y a des choses à faire. C'est lui, le Siet errant? Non, je crois pas. Mais je vais lui cacher la gueule. Errant ou pas errant. Taquiner le goujon. Pidu. Oula, ça a été vite expédié. Je me suis laissé surprendre moi-même par la vitesse de... On dirait que le poisson mange une emote super étonnée qu'on la mange. Ah oui! Oui, c'est vrai! Tu as raison, Liv qui tue. La superposition dans l'interface de ma chaîne, ouais. Des émoticônes, c'est trop bizarre. Ah bah tiens, tu l'as délogé. Bravo, Nash. Mais c'était rigolo, c'est vrai. Oh, c'est pas grave, on l'a vu, c'était rigolo. Oula. C'est la guerre, thermonucléaire. T'as sauvé une moto, ouais, c'est ça. Ah mon dieu. Encore les traces du terrorisme. C'est ici. Attends, il y a un truc là-bas. Ah! Oula! Ouais, je croyais que je l'avais eu! Non, mais il est chiant l'ennemi! Oui, parfaitement volontaire, bien sûr, c'était prévu depuis le début. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc bizarre au fond de la colline là. Magnifique, je récolte plein de trucs. Attendez, attendez, je suis désorienté. Voilà, oui, là il y a un truc. Les couleurs sont pas les mêmes, hein. Ça dénote au niveau contraste, c'est beau. Alors, c'est le portrait que vous avez ouvert avec Terre retournée. Non, pas maintenant. Pas maintenant, mais on est bien conscient qu'il est là. Oh salopard, il m'a croqué le cul. Moi qui voulais me barrer et aller voir ailleurs, j'ai pas pu. Il sera donc puni de mort. Ah bah oui. J'ai à peine eu le temps de me retourner que... Bonjour FunFan. Alors attends. Merde. Attends, le truc qui apparaît devant moi, je le vois plus. Ah. Attack surprise. Bon, c'est toujours super agréable d'avoir l'avantage. Dans la bataille. Comme dirait Jeepy Roo.
du temps où il était dans la troupe des Robins des Bois, c'est exactement ce que je voulais faire. Quoi? Objectif localisé, fragment de bla bla bla. Oh, c'était si soudain. Oula, oula, c'est un boss. C'est un boss. Le machin va me les briser. Et il m'a bloqué. Je ne peux plus rien faire. Alors, protection, soin. Oui, allez, vas-y, le cactus. Pampa pipi 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 pampa. Alors, est-ce que je peux le patater? Qu'est-ce que c'est que cette entité maléfique? Ok! Le truc est ultra violent. Non mais c'est un dieu vivant le machin. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce boss qui dit pas son nom? Je peux plus rien faire. 1, 2, 3, soleil. Qu'est-ce que c'est que ce boss? Gorgira. Non mais c'est un dieu. Cette chose est un dieu. Indomptable, oui, non mais... peut infliger l'altération d'état de stase. Oui, non mais c'est fait. Analyseur, j'ai... Alors, il est vulnérable à plusieurs trucs. Peut infliger altération d'état glas, effectuer des attaques non élémentaires. Peut infliger des lésions qui réduisent les PV max. Oui, bah ça craint. Non, mais c'est un vrai boss. Il a 800 000 points de vie. Oh là 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 là. Seuil de choc 300%. Ah ouais, t'es bloqué sur ce boss Dragon Sky? Ah merde. T'es pas rassurant. Oh, je sais pas si c'est un groupe de musique, Gojira, j'ai pas la référence culturelle, mais... Non, non, mais il est casse bonbon le stick. Oh là là, je suis rendu mou endormi par l'ennemi. C'est une catastrophe. Allez, il m'a cassé. Je peux plus faire de soin. Et il est en train de siphonner l'énergie de Serra. C'est waouh. Non, bah soin pour Noël aussi, tu me diras, oui. Compétence soin, mais pour Serra. Alors, je vais avoir besoin de concentration, m'en voulez pas les copains, mais je vais plus vous lire dans le chat, là, pendant un long moment. Parce qu'il va falloir que je comprenne le boss. Il est vulnérable à ça.
Et il va être super chiant à buter. Mais super chiant. Soin pour le contact jumbo, ça serait bien. Le peut-être à l'usure, peut-être vais-je avoir l'usure, je sais pas, mais la confrontation risque de durer 2 heures là, tellement que ça va être long à le bouffer, c'est bizarre. J'essaye de comprendre. Oui, jeu de mots avec le nom du boss. Le sort glas est relou, ouais. Oui, ça fait 1, 2, 3 soleil, et là, mon truc est grisé, je peux rien faire. Faut que j'attende. Voilà, la malédiction a sauté. Ah, il est chiant, il l'a détruit instantanément, le salopard. Et il aime pas, hein, mon cactus. Hein. Le coup du pampa, alors là... Soin. Putain, il m'a refait un glas. Vous voyez, je peux plus rien faire. C'est génial. Et voilà, il m'a niqué mon cactus. Oh, il est casse-bonbon, lui. Oh là 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 là. Déjà que j'ai un autre boss sous le pied, là, dans la ville moderne. Souvenez-vous. Et lui, il va pas être chiant du tout non plus. Oi. Ou alors il faut que je m'équipe de... Il faudra que j'envoie mon équipement et que je brise le sort glas. Histoire de le faire suer. Je pense que c'est le meilleur moyen de le mater. Alors, compétence. Soin. Oh, il est chiant. Toutes les 10 secondes, il peut faire 1, 2, 3, soleil. Bonjour Cocossi, comment que ça va? Je peux même pas préparer d'avance mon truc. C'est dégueulasse. On m'a refait le glas. On m'a rebuté mon pampa. Ah, il est chiant.
Oh, que c'est casse-bonbon. Allez, tant. Allez, on va lui rentrer un peu dans le lard, ça va être rigolo. Le petit quifata. Faut que je sauve Sera. Oui, là, je sais pas ce qu'il m'a fait comme attaque. Oh là 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 là. Ah oui, non, mais c'est d'un lourdingue le 1, 2, 3 soleil là. Ah, le glas, d'accord, c'est le truc... ah merde, ma batterie va lâcher de manette. Le... oui, c'est le truc qui me les brisait avec Dur de l'anus. Danda Delos, là. Ouais, magnifique, il fait ça aussi. Ah, c'est génial. C'est génial. Oui, bah au bout d'un moment, je l'aurai. Je l'aurai forcément. Je l'aurai, parce que je serai tellement long dans la bataille que le jeu va me dire non, tu meurs, t'es trop naze. Tu m'étonnes. Allez, hop, branchement de manette. Alors... Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, le salopard, il m'a bloqué au moment où j'ai ressuscité le Pampa Jumbo.
comique. Ah, ce jeu. Il m'a biffé le salopard. Bonjour tout. Oui, bonjour Benzaï Ten, bonjour. Oui, apparemment tout le monde va bien, mais pardon, je suis très concentré sur ce que je fais là. C'est un boss casse-noisette. Qui se bouffe à l'usure ou par une astuce que j'ai pas encore pigée. Excusez-moi, je me détache du chat. Concentration absolue nécessaire. Thank you.
Ah, il m'a pas réussi à la part. Oh voilà, je suis dans la merde là. Je vais crever. Son 1, 2, 3 soleil dure tellement longtemps que voilà. Il nous a. Vous êtes mort. Voilà. T'as dormi que 5 heures? Merde, oh là là, c'est terrible de pas réussir à bien dormir. Équipement. Donc là, on a le... Accélère la jauge de synchronisation. Oui, je sais pas, je vais mettre ça. Tu vas le retirer. Ouais, attends, on va voir si je peux pas le mettre mieux. Là. Comment ça, défaillance? Ouais, le point Kaiser peut être pas mal. Là, je peux plus rien mettre d'autre. Ouais, je sais pas, à voir. Crystallium, ça fait un petit bouton que je les ai pas fait. Oui, ça va, moi d'ensemble, je vais bien, merci. Merci, 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 merci. C'est juste que je suis complètement accaparé par le jeu qui, voilà, qui fait un peu remue-ménage. À essayer de trouver le comment du pourquoi. Alors, attaquant, je suis à donf. Défenseur, je suis presque à donf. Voilà, j'ai monté à 99. Voilà. Il y a soigneur, ouais, il fait des soins aussi. Mais en tant que ravageur. Oula. Ah, évolution, c'est ce que j'attendais. Alors, rôle de saboteur, tacticien. Non, bonus de ravageur. Ouais. Super ravageur. Allez.
La fougue acquise. Oh là 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 là, c'est sans fin ce truc. Bon, faut dire aussi, vous voyez, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, j'ai énormément de points à dépenser. Ah, encore une évolution, c'est beau. Bonus de ravageur 2. Oui, mets-moi ça. Allez. Ça, la prochaine fois, je développerai à mort ces compétences de soins. Alors, attaquant, ravageur, soigneur, il est déjà au taquet. Oh la vache, c'est beau. Ouais, il pourra devenir tacticien. Allez, j'ai déjà amélioré en tant qu'attaquant. Puis après, je fais tacticien. Hop, évolution. Ah non. J'y ai cru. Ah, j'aurais tellement aimé. Voilà. Je l'attendais. Défenseur, bonus d'attaquant. Allez, on va mettre bonus d'attaquant. Ah, finalement, je vais peut-être tout bouffer dans attaquant. Ce qui veut dire qu'il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Allez, on y va. Blam, 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 blam. C'est un feu d'artifice, là. Allez, ouais. Blam, 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 blam. Voilà, je suis au taquet, je crois. Bonus d'attaquant. Allez, boum. Ouais, rôle d'attaquant maîtrisé. Allez, le tacticien, on va démarrer. Très bien. Alors, dans les stratégies, est-ce qu'à un moment, il fait tacticien? À aucun moment, il fait tacticien. Donc, à l'avenir, plus tard, il faudra que je le mette en tacticien au moins une fois Noël. Là, il a encore un petit niveau, donc ça vaut pas le coup, mais ça viendra. Putain, mais j'ai pas eu le temps de sauvegarder. J'ai fait des modifs, faut autant que je sauvegarde. Le truc où je peux pas répondre. Il est chiant ce boss, il est chiant. Bon, allez, objet. Analyseur. Au moins ce sera fait. Mais non, je t'ignore pas royalement, Benzaiten, mais pardon, mais... Là, je suis dans une phase de jeu, malheureusement, où je suis obligé de snober mon chat, bien malgré moi. Mais, oui, envie d'Aznavour dans les oreilles ce matin. Non, mais je suis bien content de te voir, Benzaiten, dis pas le contraire.
Ah, réhydrater le sage, oui, merci, se déclare en retrait. Oui, bonne pot-pot pour ceux qui vont faire leur cuisine, vu l'heure. Je vous comprends parfaitement. Alors, compétences. Non. Attends. Mais non, mais. C'est pas ce que je veux. J'incarne qui, là? Ah ouais, t'écoutes la musique de Sanitarium hors antenne Fun Fan tellement qu'elle est envoûtante. Ah, c'est excellent ça. C'est possible. Mais je tourne à la bibine. Non, mais en fait, je savoure un café au lait à chaque fois que vous voyez avec un mug le matin. Avec son chant funeste. Ah bah, je peux plus faire de soins. Il m'a guaqué, cet idiot. Donc il a gagné. Voilà. Mélodie de l'angoisse. Non, bravo, tu m'as maté, abruté. Ah, il est chiant ce boss. Du Charles en fond. Ah là 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 là. Ouais, bah ouais. Ah, Fun Fan qui ressort les paroles de Charles Aznavour. Attends. Il me met le grappin dessus? Je peux pas me barrer de lui? Si. Putain, c'est fou ça. Ah, il me hante, hein. Il cherche à me patater indéfiniment. Mais j'ai pas encore le niveau. Et il y a aussi l'autre boss dans la ville moderne aussi que je dois me coltiner, donc dur. Oui, le boss infernal, ouais. Ah, eux, ils me veulent absolument découdre. Mmh.
Bon, il y a un boss ici, c'est bon à savoir. Bon, ça fait deux boss balèzes à patater. Est-ce que je retourne sur le premier boss qui est dans la ville moderne? Oh la vache, Academia, il y a 11 fragments, j'en ai récupéré 0. C'est fou ça. Il y a 11 fragments, j'en ai récupéré aucun. C'est troublant. Attends. La ville moderne où il y avait le... Bah c'était pas Academia. C'était pas là qu'il y avait l'autre boss. Que vous vous souvenez, j'avais pesté sur les escalators, il fallait forcer pour pouvoir s'imposer là. Enfin bref. Ouais, je vais essayer d'aller voir les loustiques dans le centre des congrès là en face, là-bas au loin. Mais je pense pas avoir. Putain, mais c'est un chien. Je pense pas avoir amélioré la situation. Oui, alors là, faut passer sur les côtés. Bougez-vous. Mais au moins c'est bien, hein, j'aurais avancé dans pas mal de bricoles ce matin. C'est cool. Putain, il y a plein de bavards, il y en a qui ont plein de choses à dire. Ha ha! L'autre il juge ma tenue. Matched quite the pile of monster data. An impressive amount of research. Bah oui, j'ai récupéré pas mal de données, mais à part ça. Faut que j'en fasse encore. Oui, pas mal de données. Recherche assez impressionnante. Oui, faut que je continue. Bon, d'accord. Je vais aller revoir les loustiques de Hope et de la Miss, là, dont je retiens jamais le prénom. Oui, Alissa, voilà. C'est tout ce qu'elle a à me dire? Attends, faut que je parle à Hope. Ah oui! Oui, Charles Aznavour chantait en anglais, si. Be able to develop a new weapon.
Non, ce qui est intéressant d'enquêter, c'est voir les chanteurs français ou francophones de manière plus large qui ont chanté en japonais. Mais souvent, ils ont chanté, ils n'ont pas le temps d'apprendre la langue, donc ils chantent entre guillemets bêtement, phonétiquement. Ce qui est un exercice d'ailleurs particulier et pas évident à réaliser, mais c'est dire. Attendez, est-ce que je vois pas d'ici des paradoxes, des fragments à récupérer? Parce que la zone est quand même grande. La zone est quand même grande. Trop tard. Merde, j'ai loupé là. Ah, il y a une partie supérieure aussi. Il y a quelqu'un à qui parler là-bas à l'opposé. Avant d'entrer dans la capsule temporelle, monsieur Zé a mis en place un mètre de plan. Il a réussi à faire démarrer un projet de nouveau cocoon. Ok, c'est pour apprendre ça. Ah bah. Merci. Non, j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Bon, j'y avais cru, mais non. Ah. Attends, je suis où? Mais oui, non, je suis revenu à la base du truc. Plus que deux cœurs. Ok, il me manque deux cœurs de graviton. Bon, visiblement, ils ne m'aideront pas plus. Elle me dit quoi? Even when the Falci were no more, the people were still left with something. They were left with the ability to think for themselves and the technology to make those thoughts reality. Joe Dassin apprenait ses chansons en phonétique, nous dit une scène. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça, Fanfan. Yoko Tomi. Ouais. Exactement. Vous avez trouvé un cœur de graviton, ça peut être facile aussi. Dans la ville, Academia. Academia. En 400, ouais, je l'ai noté. Dans les monts Yatcha. Ouais, en 100 et des bouettes, c'est ça. Dans le village d'Orba. En 400. Ah, j'ai marqué 200. 400? Ah, j'ai marqué 200, moi. Alors, je veux bien corriger, mais... Faut-il encore que j'ai un crayon à portée de main? Oui, j'en ai un, ça va. Oh, c'est pas dit qu'il marche, celui-là. Il m'a l'air bien vieux, ce crayon. Ah, et pourtant, il fait le boulot. Villas d'Orba en 400, d'accord. Sunlet, Côte de Sunlet en 400, c'est noté. D'accord. Donc, il me dit que j'aurais fait ça, Ruine de Brescia et Neo Bodom, j'aurais fait les deux là. Et, alors attends, je l'ai réinterrogé, parce que autant, voilà. Alors, Academia en 400. Ouais. Il reste les monts Yatcha en 100. Ouais. Il reste Orbea en 400, c'est noté. Et normalement, il reste la côte de Sunlet en 400. On est d'accord. Donc, j'ai déjà obtenu ceux de Neon Bodom en 3 AC et les ruines de Brescia en 5 AC. C'est bien. C'est un heureux constat.
Ok, j'ai quand même l'embarras du choix. La carte me dit que... en plus que j'ai pas tout exploré à ma grande surprise. Ouais, il me dit que j'ai 97% de... Ah, il y a les machines à quiz. Ah, j'avais oublié ça. Tiens, il faudrait qu'on s'en fasse un. Trouver le cœur de graviton et montrer le rapport complété. Ouais. J'avais oublié les machines à quiz. Alors, vas-y voir que je me promène un peu en ville. Attends, là déjà il y avait un truc là. Ah oui, non, c'est un balcon tout pourri, tout perdu, je crois, non? Ouais, non, là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dali le dada, Noël, arrête de me brûler la route, oh, saligo. Oula, il y a une fuite d'eau ici. Ah, oh my God, va falloir appeler un plan, bien. Attends, oui, je veux dire, il y a des recoins. Il y a des recoins. Là, ça doit être verrouillé. Oui, il n'y a plus rien par ici. Rien de caché, il n'y a pas de fragments. Non, là j'ai rien. Autre qui dit elle est jolie, oui. Mais j'ai encore. Comment ça par ici? Il y a quelque chose à me dire. Avec les falsies, les scies, les taches et les cristaux, les gens ont passé du passé ont du mené une vie bien excitante. Ok, c'est tout ce qu'il a à me dire. Bonjour Torota. Bon, on va bien dans l'ensemble, merci. J'espère que toi aussi, que tu as passé une bonne nuit de sommeil. J'ai la personne qui est envie le plus à plaindre aujourd'hui, c'est Ben Zaitain qui est parvenu à dormir tout juste 5 heures de sommeil, mais bon. À part ça, tout le monde va bien. Shifumi, je sais pas ce qui s'est mis à hurler. Oh, les gamins qui jouent, c'est beau. Elle dit quoi, la madame? Que j'ai bousculé. La seule chose qui m'embête avec les doubles, c'est qu'ils ont tous la même personnalité totalement terne. Apparemment, on dispose de la technologie pour créer des doubles plus intelligents et originaux. Ouais. Oh la vache, qu'est-ce que c'est grand.
Ah, je sais même plus ce que je recherche, je sais plus rien, j'erre comme une âme perdue là. C'est beau, mais que faire? Que faire, que faire? Comment ça, c'est drôle? Elle est délirante là, la demoiselle. Et là en haut, j'ai pas un portail de. Ah non, c'est dans une autre époque que le portail apparaît ici. Ah bah tiens, j'ai un truc de quiz. Allez, on va se faire un quiz, ça va me. Wouh! Ça va bien, sauf que Dodo, à partir de 3h du mat, j'ai avancé sur le summit, je suis à l'étage 61. Oui, d'accord, 60. Oh mon dieu. Allez, petit quiz Final Fantasy. Le STEM est devenu une drogue de choix parmi les jeunes, ce qui cause un véritable problème de société. Cet ingrédient se trouve facilement sur la côte de Sunlet. De quoi s'agit-il? Des feuilles de habanero séchées, de minerais synthétiques, des épines de pampa ou de la poussière de cristal? Une drogue issue de la côte de Sunlet. Je suis content de dire des feuilles de habanero séchées. Ah, sur Division 2, pardon. Tu sais même plus quel jeu. Oh, Momoka! Bonjour et merci pour le relais de chaîne. Oui, Lurk, qu'il n'y a pas de soucis. Bonne app, Momoka, merci. On espère que ta session de jeu soit bien passée ce matin sur la mer d'étoiles. Je crois que tu joues à Silver Star. Mais merci, Momoka. Alors, versant à ces... Quel test a été invalidé et jugé superflu par l'Académie? Message de FunFan 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de @Momoka underscore 1. Alors, qu'est-ce qu'en lançant quel test a été invalidé et jugé superflu par l'Académie? Le bilan de santé classique, un scanner, un test de personnalité basé sur les rôles des individus ou un test d'influence sur le paradoxe? Test d'influence sur le paradoxe, je pense. Non, c'est pas ça. Bon, je suis nul. Bonjour, monsieur Arashi! Non, là, j'avoue, j'ai pas été inspiré. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Bon, ça va. Merci, monsieur Rachi. J'espère que tu vas bien toi aussi. D'ailleurs, il faudra que je débarque un jour sur ta chaîne. Parce que je sais que tu diffuses. Aerostar l'avait précisé il y a pas longtemps. Et j'ai pas souvenir d'avoir eu l'occasion de débarquer, découvrir ta chaîne. Et ça se fera prochainement. Alors, je me mets pas de date, mais... dès que j'en aurai l'occasion, et... j'irai venir te voir, Rachi. Ah, il dit quoi, lui, le gamin? Le grand frère de l'ami d'un ami travaille à l'académie. Du coup, je connais tous ses secrets. Demandez-moi ce que vous voulez. Pff. Il est bizarre, ce garçon. Les relevés sont normaux. Ouais, bon, bof. Ah, cette ville qui me rend fou. Ah, puis ailleurs, il y a un boss. Mais bon. You know how they all greet you with one word, welcome? That's so that people will be able to. Ah, il parle des clones. Il parle des clones. Ah bah oui, j'avais pris là, il y a là aussi. Oui, du coup, si je monte dans cet escalier là. Mmh.
Non, il faudrait que je voyage dans Academia, mais dans une autre époque. Là où il y a le boss, en fait. Il faudrait que je vois si je peux confronter le boss de mes deux, là. Alors, attends, le truc est là. Il faudrait que je me barre par là-bas, moi. Que je reprenne la faille, le portail spatio-temporel au bout de la grande allée. La 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 la. Parce que là c'est l'Academia de je sais plus quel paradoxe spatio-temporel. Ouais, on revient. Oui. Alors. Ouais, je suis dans le paradoxe du 4e siècle Academia où il y a 11 fragments, mais les 11 fragments, il n'y en a aucun de visible. C'est gros point d'interrogation. Non, c'était un Academia. Ah, peut-être celui-là. Peut-être était-ce cette version de l'Academia. Papa la para papa papa para papa para para papa papa papa. Ouais, c'était l'Academia sous la flotte. Du coup, si je demande la carte. Ah, trouver les cœurs de graviton, là, ça s'excite. Rapporter les cartes complétées. Et il y a des zones qui me sont interdites. C'est quand même fou, ça. C'est quand même fou. Et ouais, à un moment j'ai un boss casse-bonbon ici, mais je sais plus où est-ce qu'il est. J'ai un boss casse-bonbon. Alors. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Le mot Yasha, ces données me sont très utiles. Ah, j'ai gagné encore un fragment. Cool. Oui, il faut que je lui donne 100% des données de terrain. Ouais, comme j'avais complété un truc, ben, c'est cool. Là, il y a une vendeuse de mes deux. D'ailleurs, est-ce qu'elle vend du... Est-ce qu'elle vend des fruits de... Non. Non. Ouais, elle vend des accessoires, il y a des armes, machin. Encore que, attends, dans les objets. Ouais, non. Oui! Arrête ton baratin commercial qui me les brise! Et quelque part dans le coin, il y avait un foutu boss sous la pluie. Que je voulais patater, mais je sais plus où il est. Non mais là je suis perdu de toute façon. Je fais face à un mur, c'est pas normal. Mmh.
Oui, ça, j'ai pas le droit de le passer, en fait. Pourquoi, je sais pas. La porte qui fatale. Bon, je me barre parce que. Pom 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 pom. Bonjour Aerostar. Comment que ça va? Alors que oui, là je suis en train d'être complètement perdu par le jeu. Voilà, on est bien en chemin. Ah, ce dimanche matin. Enfin matin, on est déjà le midi. Ah mon dieu. Ça va? Bon, c'est bien. Ouais, bah ça va bien dans l'ensemble. Les troupes vont bien. Ah! Intéressant. Qu'est-ce qu'ils font là, les deux sticks là? Qu'est-ce qu'ils font là? Oh, ça n'a pas duré longtemps. Deux coups, disparu. Oh! Verrouillage annulé. Ah, j'ai déverrouillé ma situation. J'ai déverrouillé ma situation, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là 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 là, c'est le boxon, c'est le bazar, c'est le bordel. Tout le monde s'en mêle. C'est la guerre, thermonucléaire. On a gagné. Tapis, c'est un déluge. Alors, j'ai déverrouillé la situation. Oh la foudre! Magnifique! Ouais! Là, elle devient aussi forte que sa grande sœur, Serra. Elle devient aussi forte que Lightning, là. C'est extra. Elle devient vraiment une déesse de la guerre. Ah, je suis revenu! Attends, ça m'a déverrouillé ça, donc l'avantage c'est quoi? C'est que j'ai accès à un truc que j'avais pas accès, non? Pupitre de commande, non? Bah.
Ou alors faut que je fasse sauter le machin là aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, le jeu est bizarre. Le jeu est bizarre. Une prute à grosse tâche de 4 kilos. Oh. Bizarre. Je déverrouille des secteurs, mais je sais pas comment. Là, c'est pas un truc de commande. D'accord. Tant qu'étrange, comme diraient certains. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Si je regarde la carte. Je sais pas. Je sens que dans la demi-heure qui suit, je verrai dans cette version de la ville. Parce qu'il y a des trucs trop bizarres. Ouais, là j'ai rien. Là j'ai un escalier mais qui mène où, je sais pas. Là j'ai... Pourquoi c'est en vert là-bas? Ah, c'est là où il y avait la nana qui... Ouais, qui gère les cartes. Ok. Ok, 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 ok. Là, on est où, là? Oui, il se passe un truc, mais... Bon. On va se faire un petit cri fatal. Le petit cri fatal. Yeah. Oh, trop la classe. Le coup de la foudre, j'adore. Non, c'est un cul-de-sac où j'avais récupéré jadis un objet. C'est ça qui est con. Là, je monte. Attends, il y a tellement de trucs. Enfin, je comprends le jeu avec le dynamisme des batailles, mais... Comme ça me réinitialise ma caméra à chaque fois que j'entre et que je sors d'une bataille, du coup, ça me fait perdre la boussole, littéralement. Je sais plus où est-ce que je regardais, dans quelle direction je me dirigeais. C'est mon cerveau ne suit plus là. Bon app, Nash. Oui, à tout à l'heure. Bon app. Moi aussi, je vais pas tarder. Je commence vraiment à avoir faim. Je vais vous mettre la deuxième partie de la compile précédente là, histoire que tout le monde se marre. Attends. Eux, faut que je les patate.
c'est eux qui génèrent les verrouillages, là, c'est les petits robots. Si je ne m'abuse. Ah non, mais je les ai pulvérisés, mais alors quelque chose de merveilleux. Durée du combat, 3 secondes. Tout va bien. Voilà. C'est ça, c'était les casse-bonbons de robots. Et du coup... Mais c'est du foutage de gueule, excusez-moi du peu. Parce que j'étais passé par là tout à l'heure dans le sens contraire. Là, il y a un ennemi de qui est revenu, tu sais pas pourquoi. C'est hallucinant. Les larmes des rumeurs. Oula, tu m'as fait peur, Noël. Par où t'es arrivé? Ouais, ok, c'était un grand escalier. Et après, attends, sur la carte, il faudrait que je me barre à un endroit où il y a encore une barrière. Mais la question, c'est comment y arriver? Ce dédale. C'est un enfer. Voilà, moi je vais aller par là-bas. Je fais comment? C'est... Wouh! Mais non, mais... Oh, cette disposition des lieux. Et puis lui, qu'il aille mourir. Magnifique. C'est ma super attaque qui a explosé tous les ennemis restants. Trop la classe. Merde, c'est à gauche que je... Non, à droite que je veux aller, là où il y a le sens interdit. Mais comment je fais pour le rejoindre? Je suis obligé de faire un tour de grand magoule. J'ai l'impression... Écoute, je veux bien, mais merdoum, quoi. Allez! Oh là là, c'est des dalles infinies. Pourquoi je redescends? Je deviens fou. Bon, ici, j'ai tout fait, ils sont tous morts, je sais pas quoi. On est d'accord, il n'y a pas un fragment, il n'y a pas un truc. Mog, dis-moi tout. Il n'y a rien, hein. Oui, on est d'accord, bouhou. Bon, il y a des ennemis qui viennent faire suer. C'est une attaque surprise. Voilà, peut-être était-ce le bon escalier. Il y a des ennemis quelque part, mais je... Ah si, c'est un ennemi, ça. Ok. Allez, un coup de feu, un coup de foudre, c'est la fête. Faites-vous plaisir, wouhou. Ah
Un GG vendu, ouais. Alors attends, il me dit qu'il y a un truc tout proche que j'ai pas fait, qui est ça. Mais ça, c'est un hall d'entreprise, je peux pas y aller. On est d'accord que Mog va pas m'aider à péter la vitre. On est d'accord. Oui, je sais pas, alors là, il y a un bug de conception, là. On va péter un carreau avec Mog. Bon. Cette violence. Oh. Encore des ennemis qui me les brisent. Oui, je vais reboire un coup, Torota, t'as raison. Merci. Alors, la carte. Je suis là. Ah, je suis pas très loin d'un truc interdit. Vous remarquerez que je suis pas retombé sur le boss, hein, que je suis censé me coltiner. Il doit être dans un autre quartier que j'ai pas retrouvé. Donc tant pis, ce sera pour la prochaine séance de Final Fantasy. Chocolina de mes deux. Non, il y a surtout une zone interdite dans un secteur. Là j'arrive dans le centre-ville, ce qui est intéressant. Allez, l'attaque de mon Pokémon de service. Youhou! Ce qui me permet de recharger ma jauge en gagnant stratégiquement du temps. Donc de faire un deuxième service du même genre. Voilà, GG vendu. Alors, et à un moment il y avait un sens interdit. Oui, non, celui-là il est structurel, on va dire. Là, pareil, il y a un hall d'entreprise, mais il me dit que je peux pas y aller. Oh merde! Mais il est où l'ennemi qui vient me les briser? Oh là 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 là. Putain, je peux plus faire trois pas dans la ville sans me faire agresser. C'est fou! C'est fou. Le jeu devient complètement zinzin. C'est un rythme effréné. Laissez-moi déambuler, laissez-moi déambuler dans la ville en toute liberté. Je vais devenir cinglé. Voilà, le truc, il est là-haut. Ah, c'est l'escalator, d'accord. C'est l'escalator. Un live, un direct spécial informatique, pour que le sage vous explique 2-3 choses sur la programmation. Certains dépannages en cas de panne. Oui, pourquoi pas. Tu aurais qu'on fasse un sondage. C'est pas con du tout ta suggestion. Ah bah tiens, je vais en profiter pour sauvegarder. Par la même occasion.
On va aller voir le sens interdit, et puis si je suis pas content, on arrête là, parce que j'ai faim. J'irai déjeuner en même temps. Bouge pas, vas-y voir que je fasse le sondage. Très bonne suggestion. Non, c'est pas la fenêtre que je voulais. Là, je suis chez Poupon. Voilà, j'aimerais être sur mon chat. Que je puisse faire un sondage. Attends, je vais ranger le ma soluce de Final Fantasy, que je la perde pas. Alors, voilà. Oui, on pourrait se prendre une demi-journée. On pourrait se prendre une demi-journée pour faire ça, effectivement. C'est pas idiot. Alors attends, reprendre. Pourquoi je vois plus mon. Ah, j'ai déconnecté la manette en tirant un peu trop dessus. Merde. Attends, le sens interdit. Ah non, il a le sens interdit. Ah oui, mais il l'est parce qu'il y a des débris, en fait. Et du coup, ça m'empêche d'aller là-bas. Bizarre. Attends, si je me barre par là. Qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression de voir. Ah non, c'est une goutte de flotte, d'accord, au premier plan, c'est un effet. Ok, j'ai cru qu'il y avait un fragment translucide dans la ligne du temps, là. Tout le bordel. Oui, bonne question, sondage de Torota qui veut savoir si vous serez intéressé qu'à un de ces jours. Je vous consacre une demi-journée, il faudra poser la date après. Mais sur le principe, est-ce que vous serez intéressé effectivement que je reste ouvert à vos questions en informatique de manière générale et que je vous apporte mes lumières par rapport à. Voilà, différentes questions que vous aurez effectivement sur. On peut brasser large, hein, vous le savez, avec l'informatique. Si je peux vous apporter mes lumières sur pas mal de trucs. De suggestions. Ah, vous seriez enthousiaste visiblement. Ah, c'est très clivant. C'est oui, non, il y en a qui sont pas neutres. D'accord. Il y en a qui n'auraient rien à péter, d'autres qui seraient vraiment pour. Tiens, tiens. Ah, c'est intéressant comme sondage. Bien vu. Je peux changer je sais pas quel tapis. Ah, c'est le tapis derrière moi. Mmh.
C'est complètement abusé. Mais complètement abusé leur système de combat. Oh là 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 là. Ils se transforment en cochonnerie, bah oui. Les pauvres habitants qui deviennent des monstres. Allez, un petit dernier de petit cri fatal du week-end. Tellement rigolo. C'est riche en contraste, en couleurs, hein. La vache, j'allais dire la cybercité, oui, on peut le dire comme ça. C'est pas vrai, ils se transforment tous à foison. Oh là 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 là. Les belles couleurs vives de la mégalopole. Bon, je suis d'utilité publique, on peut le dire, dans cette zone. Mais je vais vraiment finir par arrêter, parce que ça finit par me bouffer dans la dynamique folle. Voilà, il se transforme, il est en crise, et il devient un gros méchant. Allez, go. Ce boxon, mais c'est n'importe quoi. Attends, je voulais quand même revoir la carte une dernière fois. Je me perds dans les contrôles, je ne sais plus. Ah, je suis pas très loin des zones dites interdites. Allez, on va essayer. J'ai bien, on va essayer de regarder. Ça correspond à quoi? Cette fuite en avant. On va essayer de voir ce qu'il en est des sens interdits. Est-ce que c'est un éboulis? Est-ce que c'est une barrière magnétique que je peux faire sauter? Et une fois qu'on a analysé ça, j'ai faim. On va se faire la suite de la compile. Et après, on enchaînera sur Dark Fatalis. Puis, vers les 14h30, on commentera la promenade que j'ai faite avec Nayonel. Pour 3 petites heures et non pas 4. Alors, l'interdit est par là. L'interdit est par là. Pourquoi il y a un interdit? Ah, c'est une barrière. Barrière de mes deux. C'est fou, moi j'ai pas l'air d'aller là. Attends, il y a un truc là-bas, là, on voit. C'est quoi? C'est un boss? La carte. La carte. Essayer d'aller un peu plus loin là-bas. Bah non, c'est un cul-de-sac. Non, je peux pas, c'est un cul-de-sac.
examiner le... Ouais. Bah lui redevient... d'accord. Mais... Et il me le bloque. C'est du délire. C'est du délire. Ça me gave. Ça, j'ai eu ma dose. Un autre week-end, pitié. Allez, je termine cette bataille-là, sauvegarde et je miam. J'en peux plus. C'est dingue comme... c'est clivant comme... sondage. Vous n'avez pas été neutre. Mais ouais, donc un de ces jours, enfin, je vous fasse un direct spécial informatique. Dans la semaine, je vais essayer d'organiser dans mon Discord un choix de date. Quelle demi-journée on se bloque pour qu'on parle informatique. Non, mais t'en fais pas pour si peu, Olive qui tue. C'est bien, t'as eu un saumon royal. La classe. Ah ouais, tiens, j'ai même plus la manette. Allez, j'éteins brut. De toute façon, je m'en fous, j'ai sauvegardé. Alors. On va changer de catégorie. On va changer de catégorie. On va être en pause déjeuner. Je vais vous mettre... déjà, vous avez le droit de voir ma tronche. Le lecteur multimédia... Ouais, bonne app, merci, ouais, bonne app. Oui, 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 on y en a pour une petite demi-heure. Alors, j'avais préparé ma liste de lecture pour la première numéro 6, mais il faut que je rajoute ma compile qu'on est en train de regarder. On était en train de se faire ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure, hein, je me prends une petite demi-heure pour Miam. Et après, on fait du Arx Fatalis vers 13h15. Revenez à 13h15, ceux qui ne sont pas intéressés par la compile. 13h15, je reprends Arx Fatalis. Allez, à tout de suite. Enfin, ou à tout à l'heure, je ne sais plus quoi dire. C'était la nuit. Quel chemin on devait arpenter. Et c'est exactement dans le même genre que je t'ai vanné. Oh, Raskar Kapak qui passe dire bonjour. Bonjour, Raskar Kapak, je sais pas si tu vas bien. Et il continue la farce. Ah bah si, tout le monde s'y met. Et préparer leur futur. Par alchimie, par le grand sage, possède quelques secrets dans le secret de cosmologie.